On avait un doublé, Otto, il vient d'en capturer un autre. On avait un doublé, il y a quelques secondes, Bruno en avait un au bout de sa ligne. On avait un doublé. Avec Otto, Otto, une, elle est pas beaucoup grosse, mais au moins... Un petit bébé carpe, mais c'est pas rien. Baby. Le poisson est actif. Oui. Trois points différents. On va palmer. Un peu d'eau. That's all. My line is damaged. Une belle carte, t'es Otto. Ta pince est ici à la terre. Ça, c'en est des équipements. Montre tes pinces, Otto, avec quoi tu prends. Ça prend toujours ça pour pas abîmer la bouche des poissons. Pas déchirer la bouche. OK. And after just coming out. Tiens, Otto, veux-tu remettre ta prise à l'eau? Oui, oui. On va prendre une photo aussi. Oui, baby. Otto va remettre sa prise à l'eau, sa jeune carpe. Wow! Hey. Félicitations, Otto. Merci. Pas gros comme l'autre, là. Bon, ben, une autre fois. Un autre. Troisième de la journée. Nous autres, on se paye du fun pour avoir du plaisir avec nos poissons. Puis on a des pêcheurs en face de nous autres qui en ont une qui l'ont garoché en plein sur le mur. Tu peux-tu filmer au large avec pour le fun là, autour, avec Bruno? Le monsieur a enfoncé à l'autre bout, il a capturé un poisson tantôt puis il l'a garoché sur le mur au moins deux fois. Fait qu'on voit c'est quoi les pêcheurs sportifs, les pêcheurs qui détruisent des poissons pour rien. Nous autres, on fait du plaisir au maximum. Il y en a d'autres qui détruisent le plaisir. Charles. Les amis, Otto sort sa canne feeder rod. La mienne est prête. C'est juste à mettre à l'eau. Vraiment plaisant d'attraper ces poissons-là. On est capable de respecter chaque espèce qui vit dans l'écosystème. Ça, puis être obligé de faire comme le pêcheur, l'autre bord qui les a garochés dans le mur. Là. Ça serait révoltant, moi. Excusez le saut d'image. Un autre belle. Bon, on va remettre la belle prise à l'eau. Comme je dis, je suis. Oui, monsieur, ça va à peine pareil. Bon, ben, mon ami Bruno, à son tour, tabarouette, c'est lui qui a cassé la glace ce matin. Là, ben, ça a l'air qu'il y en a une. Puis, moi, vous aviez raison, tous les deux, qu'il était pas avoir une bonne activité dans le secteur. Hey. T'as pris ta canne à Noodle Rod? Ben, c'est mon ultralight de 8 pieds et demi, hein, parce que ma bolognaise de 21 pieds comme Otto est normal. Fait que Bruno, oui monsieur, le poisson va l'air qui est très actif. Hey! Ligne, je vais te laisser passer ça, Toto. Bruno, c'est de quoi je vais ramener ma ligne. Bon, ben, le Bruno est encore sur son combo. Donc, je t'avais pas trompé, Bruno, tu savais qu'il allait avoir une période d'activité. Big time. Puis juste, il m'a pas midi. Ben, c'est le fun en tabarouette. Qu'est-ce que tu penses de ça, Bruno, le monsieur de tantôt? Épicher le poisson sous le mur. Je peux pas en parler devant une caméra.
Moi, en tout cas, je suis pas gêné d'en parler. Je vais dire des mots que je peux pas dire. Moi, je dis pas des méchancetés de la personne. Non, moi, je le dirais. Mais en tout cas, j'espère, là, regardez, là, on est à Saint-Ours, j'espère qu'il va y avoir des agents de conservation qui vont venir voir ça. Ce que les pêcheurs font avec les poissons. Au lieu de le décrocher et de le remettre à l'eau, le pitcher sur le mur au moins facilement deux fois. Ouais, deux fois. Pour le mettre à l'eau. C'est ça. C'est pas une manière de faire du catch and release, pitcher un poisson sur un mur de ciment. Quand je fais ça de même, là, il est là, là. Il ira pas à l'eau. Avec Bruno, encore sur son combat. Hey Bruno, t'es encore sur le combat, toi là? Mais fait de l'ombre, là. Ah, mais ils sont forts. Regarde, allez, comment ils sont forts. Ouais. Ils se laissent pas ramener facilement. Une superbe belle journée. Mes deux compagnons de pêche, Otto Haller puis Bruno Tessier alias Flog. Otto, essaye de capturer la carpe avec le filet, mais c'est pas facile parce qu'il y a des embûches autour de l'eau. Yeah, man. Ah, il stoppe contre vous, des snacks. Bruno, félicitations. Thank you, monsieur. Otto de Professors. Oui. notre coach de carpe. On va essayer de vous montrer ce que ça a l'air, les fameuses hameçons, comment c'est petit. Mais la proche de ton pouce, montrer qu'il y a ton pouce. Tiens ton ongle. Regarde comment c'est petit. C'est quoi le numéro de ton hameçon? Numéro 10, c'est des sprout. Ben, c'est un hameçon à palette. Non, pas à palette, c'est un œil, c'est ça? Ouais. Ah ben tabarouette, c'est tout petit, mais ça reste pris dans le cartilage. Ben, Bruno va faire un